Et pour en savoir plus sur la teneur de ces quatre conventions signées aujourd'hui et sur les enjeux stratégiques de la filière automobile au Maroc, je reçois tout à l'heure Rachid Machou, vice-président de l'AMICA. On reste au Maroc où les essais sur l'extension de la ligne 2 du tramway ont commencé à Rabat. Il s'agit d'essais sur 7 km permettant la desserte du quartier de Yaqoub El Mansour à partir de l'hôpital Moulay Youssef. Les travaux d'extension ouvrent la voie au renforcement du parc de matériel roulant avec 22 rames supplémentaires de 32,5 mètres de long. Des rames accessibles aux personnes à mobilité réduite afin d'assurer la même qualité de service aux usagers actuels et futurs. L'objectif est de s'assurer du bon fonctionnement des équipements en place avant la mise en service officielle de cette extension prévue pour la fin du mois de février.